un violoniste à peur. Un bisou, la zone. J'espère que vous allez bien, hein, tous. Ouais, mais France, en vrai, moi, ce qui me fait peur, c'est qu'il met pas le et conseille aux nouveaux joueurs, vous voyez. Bon, après, j'ai bien envie de prendre la France, en vrai. C'est que la France, c'est qu'on va s'y perdre. Bon, après, nique ça, reste, tant pis. Allez, on prend la France, l'équipe. Bon, l'équipe, c'est parti. La guerre de 100 ans qui déchire... On va prendre notre temps. Franchement, je vous dis, on va prendre notre temps parce que j'ai pas envie de faire une dingue. Bon, prendre notre temps relativement, on va essayer d'avancer quand même. La guerre de 100 ans qui déchire la France plus d'un siècle connaît après plusieurs victoires françaises une trêve. La puissante famille d'Anjou et de Jeanne d'Arc, avant son martyr aux mains des Anglais, Charles VII a repris la plus grande partie du territoire. Ok. Traité d'Arras. Meilleure ville du monde. La trêve avec l'Angleterre est fragile. Celle-ci n'a pas renoncé. Ouais, bon, j'espère qu'on va pas se faire envahir par les Anglais trop vite parce que ça va partir en prévoyant la cession du Maine à la France n'a débouché sur rien après plusieurs mois. Les Bourguignons, ouais, comme le bœuf, lol, quant à eux, soutiennent très passivement la cause française. Ah ouais, ok. Donc la Bourgogne, faut qu'on l'encule assez vite, si j'ai bien capté. Ça mérite un peu la merde quand même, non? Genre, en vrai, on est là tranquille, mais la France, c'est un peu le sbel, non? Genre, en gros, on me dit que les Anglais, ils vont me casser les couilles. Duc de Bourgogne, il veut se tailler. Bah, doucement, quoi, enfin... Ah ouais, en fait, faut que je gère mes problèmes internes avant d'aller coloniser. Et moi, je veux coloniser direct aussi. Je veux que l'Amérique du Sud soit française. Donc du coup, pour faire simple, on est là, mais il y a la paix contre les Anglais, mais bizarre. Genre pas bien de ouf. Il y a plein de gens qui veulent se tailler, les Anglais ils restent là. Les Bourguignons ils veulent se barrer, ils veulent fonder un royaume à part. Religion, on est catho, ouais. Et les foi protestantes vont commencer à arriver, bon. Ça on va essayer d'avoir une unité religieuse aussi, hein, parce que c'est une monarchie, ouais. Règne à vie. Du coup, l'Europe abrite le Saint-Empire romain germanique, un géant souvent très divisé qui domine les régions germaniques et l'Italie du Nord, ouais. À sa mort, à la mort de l'empereur, les électeurs, ouais, ils élisent son remplaçant. Un pays peut obtenir l'électorat par décision de l'empereur ou en héritant du titre. Oh, incroyable ça. Les pays membres du Saint-Empire peuvent venir propre diplomatie, avoir la propre dépendance, mais l'empereur est contraint de le défendre face aux menaces extérieures. Ah ouais, ça c'est effrayant par contre. Parce que t'imagines, ça veut dire que si tu déclares la guerre contre un de ces mecs-là, bah ils t'enculent en fait, parce que c'est l'empereur qui décide. En vrai, là, c'est la Provence que je peux attaquer. C'est mes alliés, gros. Je vais vraiment fumer mes alliés comme as, genre. C'est le mec qui s'en bat les couilles. Bah vrai, mais l'Angleterre, je peux pas attaquer ces putains d'Anglais de merde. Ça tant qu'à faire. Ils veulent reprendre la guerre de 100 ans, ces bâtards, bah on va la reprendre. Ouais, je pense qu'il peut durer. Bon, ok, ils sont excommuniés, mais vas-y, c'est mes potes. Je suis allé que à Provence. Vas-y, moi j'ai envie de taper du rose beef. On va taper du... J'ai rien contre les rose beef, mais vas-y. Bah c'est la guerre de 100 ans, les gars. Moi je vous dis, la guerre de 100 ans, elle s'est pas finie comme elle devrait. Il y a la Bourgogne aussi. Voilà, Bourgogne. Non, Portugal. Mais en vrai, moi c'est surtout les Anglais, je vous dis, les Anglais... Prendre la capitale, Londres. Non, peut-être pas non plus. Genre, en vrai, les Anglais sont déjà bien chez moi. J'aurais déjà envie de récupérer... Bah, même ça, en fait. Hein. Bessin, ouais, Alençon. Bordelais, Caux, Cotentin. Allez, c'est parti. Il est hors de question que les Chleux ou les Rosbif nous soufflent le contrat. On les a bananés pendant la Coupe du Monde, j'entends bien conserver le titre. Parce qu'en fait, je vous dis, ce que je veux vraiment reprendre aux Anglais, c'est pas forcément aller dans leur pays carrément, sur leur île, là. C'est surtout reprendre des terres qu'ils ont chez moi. Oula! Méfiez-vous quand même avec ces ouaves, hein. C'est poli par devant et c'est par derrière qui vous entube. Ah moi ils vont se faire fumer les Portugais là. Ça qu'il y a le Portugal, il faut faire gaffe aussi. J'ai pas fait gaffe à ceux qui venaient d'en bas. Mais le Portugal forcément ça vient d'en bas. Dès qu'il est bon en géographie, c'est que le Portugal, c'est en dessous de la France. Ouais les Anglais ici hein. Putain, il faut un embargo ces bâtards. En fait le problème c'est que sur Terre ils sont pas là les Anglais. En fait ils savent qu'ils gagneront pas, donc ils restent dans leur bateau, mais ils viennent pas en fait. Là c'est l'armée royale, hein. Là c'est vraiment, tu sais quand cette armée là arrive c'est fini. 27k de soldats, tu sais que là ça va partir en couille. Mais ils sont partis où les Anglais? Mais quelle bande de lâches. Après ils ont vu arriver l'armée, ils se sont fait bon. On va pas forcément faire les ouf. Là vous voyez je passe à 22 scores de guerre, ça commence à avancer, c'est bien. Pourquoi il veut pas qu'autant... Bordelais j'aimerais bien aussi. Si on récupère Bordeaux ce serait vraiment pas mal. Non il veut pas, non mais on va attendre, je m'en fous. Le score de guerre il fait que grimper. Je vous explique. Là, cette bataille, là, les Anglais, là. Ils pourront pas se cacher. J'arrive. L'armée royale. L'armée royale, elle est sur la trace des Anglais. Ah, Cotentin, ils veulent toujours pas. Ah, y'a ça aussi, c'est quoi ça? Calaisie. Putain, si je peux récupérer Calais. Bien sûr que ça m'intéresse, c'est des ouf. Là, y'en a. Là, y'a beaucoup d'Anglais quand même. Mais je me dis, imaginez, je remonte. Je rêve, faut que je fasse gaffe à pas être trop gourmand non plus. Imaginez, je remonte. Je fume ces Anglais-là, donc ils sont 6000 plus 19000, donc ce qui est 25000, je sais compter MDR. Là, je remonte avec ces troupes-là, donc ils sont 23000 plus là 12000, je suis à 35000, je pète les Anglais. En vrai. On va voir comment ça se passe, mais j'ai le chance d'essayer de tenter cette strat.
Même si ça me fait mal de le dire, les roast beef, ils ont eu du flair. Ils ont fait une strat en fait pour me détourner un peu de mon objectif de base, mais bon, ça va pas marcher quoi. Ah voilà, oh là, il a monté d'un coup, wesh! J'étais pas prêt! Putain, il doit vraiment être en dèche! Ah ouais, ils sont au bout de leur vie, hein. Ouais, bah vous savez, on va rester comme ça. Donc ça permettra du coup qu'on on a réussi à reprendre toute la France, que les bouts de France que les Anglais avaient pris. Je leur demandais de me donner de la thune en plus, tant qu'à faire. Les Anglais, vous allez raquer! Oh putain, les Anglais, je les souille, hein. Oh, je suis un yinche, vous allez me dire, je suis un yinche. Je récupère tout. Mais ça, vous savez, c'est pour les intérêts. Ils nous ont piqué des territoires. Bah, on les récupère, mais il faut des intérêts, quoi. Accès à notre généreuse offre de prix. J'avoue, j'étais généreux. Attends, mais je suis plus rival avec les Anglais, genre. Mais j'ai plus de rivaux, du coup, c'est quoi cette histoire? Bah, les gars, je vais prendre d'autres rivaux. Mes rivaux, ils veulent plus de moi. Ouais, est-ce que je les ai humiliés, en fait, déjà, peut-être. Après, du coup, il y a la Bourgogne. Ils ont encore beaucoup d'alliés, la Bourgogne. Ouais, ils se font beaucoup d'alliés. J'ai reconquis la Normandie aussi. Let's go! Je vous dis, on a avancé, on a reconquis la Normandie et la Gascogne. Ça, c'est bien de ouf. Après, c'est la Provence et la Bretagne. Moi, ce que j'aimerais aussi, c'est avoir... Ouais, il faut qu'on ait au moins 20 vaisseaux lourds. En fait, je vais essayer d'avoir des vaisseaux dans le Pacifique. Et des vaisseaux... Bah, en fait, une flotte pacifique et une flotte méditerranéenne. Comme ça, j'aurai une flotte qui va gérer la Méditerranée et une flotte qui pourra potentiellement partir visiter et explorer l'Amérique. Concrètement, c'est ce que j'aimerais faire. Ça, j'ai l'escadre de la Manche. Et l'escadre de la Manche, mon frère, elle est en Méditerranée, gros. Elle problème de géographie. Hein. Ils ont appelé le navire l'escadre de la Manche. Le truc est totalement en Méditerranée. Je sais pas c'est quoi ce que vous avez taffé pendant l'histoire, l'équipe, mais c'est pas ouf. J'essaie de voir à qui je pourrais m'allier. Bah, l'Écosse, en vrai. Bah ouais, vous savez quoi? Non, l'Écosse, ça sert, hein, avoir une alliance avec l'Écosse, hein, en vrai, ils sont de l'autre côté des Anglais, c'est vraiment un bon bail, ça. Du coup, j'ai envoyé faire un relais d'espions à Londres et en Bourgogne. Comment ça, une révolte? C'est quoi ce bordel? Oh putain, sa mère, fallait que ça parte en couille, ça. Comment ça, j'ai une révolte? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, mais attends, mais c'est de moi, ça? Ah, mais non, mais c'est les factions rebelles des dépendances! Mais vous cassez les couilles, putain! Vous pouvez pas gérer vos territoires, les gars! En fait, je sais pas, il m'a blindé de notifs, moi j'ai commencé à suer du cul. Je vois qu'il y a plein de rebelles partout, et puis il me dit, machin, il veut te fumer, Frère, j'ai eu peur. J'ai eu très peur. En fait, non, c'est rien, c'est juste que... C'est des trous du cul qui savent pas gérer leurs trucs. Parce qu'en fait, comme par hasard, c'est mes dépendances... En fait, moi j'avais peur que ce soit ma dépendance qui veulent se tailler, mais non. C'est l'armée de mes dépendances, ils sont en train de réparer leur connerie. Oh, la Renaissance, nickel, j'arrive à la Renaissance. Bon, du coup, c'est bien là, on a une nouvelle tech militaire. Donc, on est passé au carré de piquier. Donc, t'as une meilleure tactique militaire et t'as un moral terrestre qui est accru, ok. Ouais, ok, il y a Roi Charles VII et mon fils Louis de Valon, ok. Bah, après, je peux récupérer la Bretagne, en vrai. J'y pense, mais ça peut être pas con. Ouais, mais c'est un allié de langue des Anglais. Comme par hasard, tu sais. Les Anglais, ils devaient savoir. Si on fait la guerre, on est 100 fois au-dessus d'eux, hein. C'est pas forcément super compliqué. Il y a pas beaucoup de troupes, ça peut être fait vite. Bah, le but en fait, ça va être de tout choper, hein, de récupérer toute la Bretagne. Ah putain, ils m'ont attaqué. Mes bateaux. Non. Oh, c'est ça, faire le malin, putain. Ils ont fumé ma flotte. Putain, fait chier. On a une flotte de merde aussi. On est des Français, on a une flotte de merde, c'est grave. Vous voulez faire les malins, les roast beef? Vous voulez faire les malins, les roast beef? Je vais vous envoyer l'armée royale au cul. Ouais, en fait, Bretagne et Salus, ils ont aucune armée. Y'a que les Anglais. Après, ils ont beaucoup de bateaux, mais enfin, je vous dis, en fait, c'est tout. Bah, du coup, c'est bien, Salus, c'est taillé. Il y a 12 000 fantassins anglais, en fait. Mais c'est tout. Là, même les Anglais, ils vont commencer à en avoir à le cul. Hein. Mais tu vois, en fait, ils savent que les Anglais, genre... Si... je pense que les Bretons savent très bien que si les Anglais s'en vont, c'est fini pour eux. Je pense qu'ils le savent. Tu leur donnes de l'argent, ils dégagent ou... Ne trahira pas ses alliés pour de l'or. Ah, ça me fume. Parce qu'ils ont des principes, ces enfoirés. Ne trahira pas ses alliés pour de l'or. Ah, oh, je suis mort. Bah ouais, un Anglais, il a pas d'honneur, ouais. J'avoue. C'est quoi ce merdier? Bah ouais, là, je suis à 100%, en fait. Mais je peux avoir... Ah bah ouais, bah là, c'est bon. Hein, tu vois, là, je suis pas annexé. Mais tu vois, pourquoi je suis arrivé à 100%? Ah, ils sont rendus sans condition, ouais. Hein, vous voyez, comme quoi, ça peut arriver. La guerre, elle a duré 5 ans, mais en fait, c'était une guerre, vraiment, c'était un blocus continu, enfin, c'était une occupation, en fait. Ouais, bah, en fait, là, c'est parce qu'ils sont rendus.
Mais tu vois, les Anglais, eux, ils voulaient toujours pas se rendre. Genre, les Anglais, genre, vraiment. Les Anglais, ils sont en mode, bah non, on va pas... Attends, je peux leur demander de l'argent aussi. Ah, ils ont dû faire 5 emprunts et tout. Oh, j'avoue, je les ai... J'ai niqué. J'ai niqué la vie des Bretons. J'aurais niqué leur vie. T'as raison, je vais faire un château à Paris, quand même. Bon, en vrai, ça va, genre... La quête pour reconquérir la France avance, doucement mais sûrement. On commence à avoir un semblant de flotte, qui commence à avoir peut-être un petit peu de gueule. Pour ceux sur YouTube, hein, n'hésitez pas à laisser un like si vous avez kiffé, activer la cloche pour ne rien rater, à vous abonner, à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du jeu, à venir me follow sur Twitch, sur Twitter aussi bien sûr, pour ne rien rater de tout ça. Et puis, bonne soirée à Twitch, et puis bonne soirée à YouTube si vous regardez ça le soir, ou sinon bonne journée, enfin bref, vous avez capté le bail. To be honest, I ain't gon' lie. I don't judge your company. Come to the edge if I jump, I know she gon' jump with me. Can you tell me what you really want from me? Say she the only real one for me. Told me that she down to hold the gun for me. I ain't tryna break her heart, told her run for me. When she need dick, she gon' come for me. I like being by myself, to be honest, I ain't gon' lie. I don't judge your company. Come to the edge if I jump, I know she gon' jump with me.